Donc la situation est la suivante, on a un mélange de gaz qui est contenu dans une enceinte, la température de ce gaz c'est 0 degrés Celsius, on a un volume de 4 mètres cubes, et donc la masse totale de ce mélange de gaz c'est 2,1 kg. Alors comme tu peux le voir, j'ai représenté les différents gaz par différentes couleurs. Donc on a trois couleurs ici, le premier point en jaune c'est pour représenter le dioxygène O2. Donc on sait qu'on a 30,48% de la masse totale qui vient de ces molécules de gaz de dioxygène. Ensuite, les petits points verts que j'ai représentés, c'est les molécules de dihydrogène. On sait qu'on a 2,86% de la masse totale de gaz qui est due au dihydrogène. Et enfin, dernier gaz dans ce mélange, eh c'est le diazote N2. Donc les petits points rouges que tu vois sur ce schéma. Et donc ça, c'est 66,67 de la masse totale. Alors la première question qu'on va se poser, c'est quelle est la pression totale à l'intérieur de l'enceinte Bien sûr, tu l'auras compris, on est dans le chapitre sur les gaz parfaits, donc on va utiliser la, lo la loi des gaz parfaits pardon, et considérer que ce mélange se comporte comme un gaz parfait. Et ensuite, on va chercher à répondre à une deuxième question. Donc la deuxième question, c'est quelle est la pression partielle pour chacun des gaz en présence. Alors qu'est-ce que c'est que la pression partielle bah, C'est assez intuitif en fait, c'est la fraction de la pression totale qui est attribuée à un gaz unique. Par exemple, la pression partielle de O2, si je la représente avec des petites flèches dans l'enceinte, et eh bien ça va être la fraction de la pression totale qui est liée à la présence du dioxygène. De la même façon, la fraction, la pression partielle de dihydrogène, et eh bien ça va être la fraction de la pression totale qui est liée à la présence d'hydrogène dans le mélange. Et enfin, la pression partielle de diazote, N2, eh c'est la fraction de la pression totale due à la présence de diazote dans le mélange, et je représente ça par des flèches rouges. Alors on va donc commencer par la pression totale. Donc, puisqu'on a un mélange de gaz qui est assimilé à un gaz parfait, on va pouvoir utiliser la loi que tu connais maintenant par cœur, la loi des gaz parfaits, PV égale NRT. On cherche à connaître la pression, le volume, on le connaît, la quantité de matière totale, on peut la calculer, la constante des gaz parfaits, on la connaît, et la température, elle nous est donnée également, c'est 0 degrés Celsius. Donc, on va chercher à connaître la quantité de matière totale. Alors, on a donc dans l'énoncé la masse total des gaz et le pourcentage massique de chaque gaz. Donc très simplement, on va calculer la quantité de matière de chacun des gaz. Donc je rappelle la formule qui nous sert ici, qui relie la quantité de matière petit n, c'est égal à la masse en question divisée par la masse molaire. Donc on commence avec le dioxygène. C'est parti. Donc la masse de O2 que je note M indice O2, c'est donc égal à 30,48% fois les 2,1 kg. Donc on prend la calculatrice, c'est parti. Donc 0,3048, donc c'est notre 30,48%, fois 2,1 kg, ça nous donne, on va arrondir à 0,64 kg. Alors ensuite on peut à partir de cette masse connaître la quantité de matière de dioxygène. C'est donc égal à C. Ces... Alors je vais tout mettre en grammes ici, puisque la masse molaire est exprimée souvent en grammes par mol. Donc 640 c'est nos 0,64 kg exprimés en grammes. Donc 640 grammes divisé par la masse molaire du dioxygène, donc c'est 32 grammes par mol. Et donc ça, ça nous donne 640 divisé. Par 32, ça nous donne 20. Donc on a 20 mol. La quantité de matière de dioxygène dans notre mélange, c'est 20 mol. Donc ça, c'était pour le dioxygène. On continue notre raisonnement, cette fois avec le dihydrogène. Donc exactement le même raisonnement. D'abord, quelle est la masse de dihydrogène La masse de H2. Donc c'est 2,86% de la masse totale, donc de 2,1 kg. Ça, ça nous donne à peu près, hop, on prend la calculatrice, 0,0286, c'est 2,86% fois 2,1, on obtient à peu près 60 g. Donc je vais mettre le résultat directement en grammes. Pour le calcul suivant. Et donc la quantité de matière correspondante, NH2, c'est donc égal à 60 g divisé par la masse molaire en g par mol du dihydrogène, et donc ça c'est tout simplement 2. Donc on a 30 mol. Donc je le réécris là-haut. La quantité de matière de dihydrogène dans notre mélange c'est 30 mol. Donc on avait la plus petite fraction. Seulement 2,86% de la masse provient du dihydrogène, par contre on a quand même 30 mol, c'est-à-dire plus de mol de dihydrogène que de mol de dioxygène. Donc ça c'était pour le dihydrogène. On passe maintenant au diazote. Donc je fais un peu de place, on descend en bas. C'est parti, N2, même raisonnement. On calcule d'abord la masse de diazote, MN2. C'est donc 66,67 donc je divise par 100, fois nos 2,1 kg, donc ça, ça nous donne 1,4, donc je mets le résultat en grammes 1400 g, on calcule la quantité de matière correspondante, c'est donc tout simplement 1400 g divisé par la masse molaire en grammes par mol du diazote, c'est 28 grammes par mole. On effectue la division 1400, 1400 pardon divisé par 28. Ça nous donne 50. On a donc 50 moles de diazote dans notre mélange. Donc le diazote, le code couleur, c'est rouge. Je remonte en haut pour marquer que nos 66,67% correspondent à 50 mol. Donc maintenant, on connaît le nombre total de mol. C'est la somme de chacun des nombres de mol. Donc 20 plus 30, 50 plus 50, ça fait 100. Donc on va pouvoir calculer la pression totale. C'est parti. Je la note p Donc p tot c'est égal à nRT divisé par le volume. C'est la loi des gaz parfaits. N, on a dit que c'était 100 mol. R, c'est la constante que tu connais par cœur, 8,31 joules Kelvin moins 1 mol moins 1. La température, c'est 0 degré Celsius, donc 273 degrés Kelvin. Et enfin le volume total exprimé en mètres cubes, c'est toujours les unités du système international, c'est 4. Donc on peut faire l'application numérique. C'est parti. Donc on a 100 fois 8,31 fois 273 et divisé par 4 ça nous donne 56 on va utiliser les kilopascals 56 on va dire 0,7 56,7 kPa je rappelle le pascal c'est l'unité internationale du système international pour la pression alors si on utilise l'approximation que 10 puissance 5 Pascal, c'est à peu près égal à 1 atmosphère, et bien dans ce cas-là, ça nous donne environ 0,57 atmosphère, une pression plus faible que la pression atmosphérique. Alors, étape suivante, on veut obtenir les pressions partielles. Donc on va s'intéresser tout d'abord au dioxygène, O2, O2. on sait qu'on a 20 mol dans le mélange, donc la pression partielle de dioxygène, P2O2, elle est définie comme la quantité de matière de dioxygène n indice O2 divisée par la quantité de matière totale fois la pression totale que je note p -tot. Donc je le rappelle, hein, dans un mélange de gaz, la pression partielle d'un gaz donné, c'est la quantité de matière de ce gaz donné divisée par la quantité de matière totale de gaz fois la pression totale du mélange de gaz. Donc ici on a vu que la quantité de matière de O2 c'est 20 mol et donc la quantité de matière totale c'est 100 donc on a 20 divisé par 100 fois la pression totale donc 0,57 atmosphère. Donc si on fait le calcul 20 c'est 0,2 fois 0,57 et donc ça ça nous donne à peu près 0,11 atmosphère. Donc c'est à peu près égal à 0,11 atmosphère. Donc on continue, pour le dihydrogène on avait 30 moles. Donc la pression partielle du dihydrogène c'est la quantité de matière de dihydrogène divisée par la quantité de matière totale fois la pression totale. Donc ça c'est égal à 30 divisé par 100 puisque la quantité de matière totale du mélange de gaz c'est 100 moles fois 0,57 la pression en atmosphère. Donc c'est parti pour l'application numérique. 30% c'est 0,3, multiplié par 0,57, ça nous donne à peu près 0,17. Donc la pression partielle pour le dihydrogène, c'est à peu près 0,17 atmosphère. Donc c'est parti, on continue. Même raisonnement pour le dernier gaz, le diazote. P de N2, c'est donc égal à la quantité de matière. Donc la pression partielle de N2, c'est la quantité de matière de N2 divisé par la quantité de matière. Total fois la pression totale. Donc on avait 50 mol de N2, donc 50 divisé par 100, fois les 0,57 pour la pression totale. Donc ça, ça nous donne 0,5 fois 0,57. Donc c'est à peu près égal à 0,29 atmosphère en arrondissant. Alors maintenant, si on s'intéresse à la somme de ces pressions partielles, on a donc P2O2 plus P2H2 plus P2N2. Donc ça, c'est égal à 0,11 plus 0,17, ça fait 0,28, auquel j'ajoute 0,29. Donc ça, ça nous donne eh bien, tout simplement 0,57, c'est-à-dire la pression totale P -tot. Et Donc ça c'est un résultat important en fait, la somme des pressions partielles eh bien c'est égale à la pression totale. Donc ça c'est le premier point à bien retenir de cette longue vidéo, c'est que la somme des pressions partielles est égale à la pression totale. Et donc deuxième point à bien retenir de cette vidéo, eh bien c'est que la pression partielle c'est égal à la fraction molaire, donc nombre de moles du gaz en question divisé par nombre de moles total du mélange fois la pression totale.